Dis-moi, où se trouve Sentinel Prime? Et seulement là, je t'épargnerai, misérable Autobots. Ah, pourquoi protéger une personne qui vous a abandonné au profit d'une technologie révolutionnaire? Sentinel, de toute façon, a toujours pensé à lui-même avant les autres. Je te laisse une dernière chance, Autobots. Où se trouve-t-il? Où se trouve Sentinel Prime? Je ne parlerai pas. Qu'il en soit ainsi, alors. Sentinel, il y a un problème? Non, c'est juste quand il s'est éteint. La machine est en train de générer le portail. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de passer par le portail? C'est pas une bonne idée, mais c'est la seule solution pour éviter que les Decepticons obtiennent mon savoir si je me fais capturer. Car si les Decepticons venaient à obtenir mon savoir, ils l'utiliseraient pour conquérir les autres univers. Est-ce que tu penses que ça va te téléporter dans un univers défini? Malheureusement, non. Je n'ai pas eu le temps de bosser sur un système de sélection d'univers. La quête de Galvatron ayant pour but de me retrouver m'a précipité. D'ailleurs, après mon passage dans le portail, tu devras le détruire. Il ne faut laisser aucune trace dysfonctionnelle de ma technologie. C'est... magnifique. Ça, tu l'as dit, Hardhead. Ça a été un honneur de vous connaître, Sentinel. Et cela aurait été un honneur d'être à vos côtés, Autobot. Autobot a l'air d'être dans son mode sommeil, mais vu qu'il se réveille pas avec le son de ma voix, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est dans cet état. Il faut l'amener à notre base pour essayer de le réveiller et prévenir Megatron de notre découverte.